Oh non, Oui. nécessaire. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, Blaise Compaoré fait partie. Le futur va continuer. Et je dis simplement que Blaise Compaoré va partir dans des conditions acceptables. Si nous voulons coûte que coûte et gagner la tête, j'ai peur qu'on ait des problèmes. Pourquoi j'accepte l'amnistie? Mais il n'est pas vraiment nécessaire. Parce Mais le que il peut Burkina partir, Faso, il doit partir. mais le Burkina Faso est en train de mourir petit à petit. Alors, je vous dis ceci, un des optimistes, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, c'est complexe. Et il partira. Il En partira, 2015, c'est vrai que nous avons une situation difficile. il partira en Mais tout le monde va 2015. partir. En 2015. Moi, ma conviction profonde, c'est que 2015, il ne peut pas être candidat. Ça me semblerait fort qu'il veut être candidat en 2015. Pas ma conviction. Je ne crois pas. Une fois que Dieu l'a compris, le contexte ne s'y perd plus. Monsieur Yves Bambara, on peut passer à la prochaine personne pour poser une question au docteur. À Washington DC, à notre frère, le grand ami africain, Jean Roger. Oui, merci beaucoup. Hein. Merci donc à votre invité depuis donc la province du Kadiogo, c'est donc à Ouagadougou, voilà. La première question que je vais vous poser, hein, c'est par rapport, si vous voulez, les relations entre la Côte d'Ivoire et entre le Burkina Faso et puis les pays limitrophes, surtout la Côte d'Ivoire. Je considère qu'il y a eu certainement l'agression de la Côte d'Ivoire par des éléments de Blaise Compaoré, pas par le Burkina Faso, mais par des Burkinabés sponsorisés par Blaise Compaoré. Hein. En tant que parti politique, je n'ai pas du tout vu, ou bien, c'est-à-dire, je n'ai pas lu les opposants burkinabés critiquer un peu ce qui s'est un peu passé. Quelle est certainement votre position par rapport à cette crise ivoirienne et surtout l'attaque, j'allais dire des éléments, pas des burkinabés en tant que tels, mais des éléments sponsorisés par Blaise Compaoré pour attaquer un pays voisin comme la Côte d'Ivoire? La question ivoirienne est plus complexe que cela. C'est vrai, Blaise Compaoré a joué le rôle de bras armé. Il faut voir ce qui s'est passé là. Que pour la première fois, la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne a vu et a vécu la face hideuse de l'impérialisme français. Parce que ça a été un mouvement d'attaque systématique pour mettre fin au régime de Gbagbo. La première, il faut dire pour moi, Gbagbo est un camarade. Pour éviter qu'on dise oui, c'est parce que c'est un camarade. Gbagbo est un camarade. Et le départ de Gbagbo a été de façon anormale. C'est une chute qui a été organisée pour installer quelqu'un qui est l'ami de la France à la fin de Ouattara. Qui, je vous le dis, à la fin était un Burkinabé. À la fin était mon tuteur à Dakar quand j'y étais, en tant qu'étudiant. C'est un Burkinabé. Peut-être qu'il peut se réclamer aussi ivoirien. Je n'en sais rien. Mais ce qui s'est passé contre la Pourquoi vous France, basez pour dire qu'il est c'est le de Compaoré, a joué le rôle de bras armés pour faire partir, bien sûr, Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Je n'en sais rien. En tout cas, le bouquin n'a rien gagné, rien de contraire. Mais peut-être que lui, il a gagné quelque chose. En ce qui nous concerne, vous dites que nous n'avons pas eu de position. Non, des partis ont réagi. Nous avons fait un écrit public. Emmanuel Macron a fait des écrits publics. Il s'est même déplacé. Je connais un parti qui a fait une lettre à remettre à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina. Et pour les gens qui soutiennent le régime de Gbagbo, leur a dit, mais pourquoi vous ne faites pas comme les Allemands et autres là? C'est la peur. C'est la peur. Tout le monde sait aujourd'hui que si les Allemands ont souffert, c'est par rapport à la question de la Côte d'Ivoire. Donc personne n'avait le courage de dire publiquement quelle est sa position. Nous avons fait un écrit, c'était publié. Elle a fait un écrit, ça a été publié. Mais au niveau du bouquin, je connais les partis qui ont supporté. C'est la position de Gbagbo. Yann Traoré, mon ami, M. Dupéyo, nous sommes tous. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes convaincus aujourd'hui que tôt ou tard, la situation, elle va se reconstruire dans une phase. Parce que depuis que Gbagbo a été chassé, même en Italie, les violences continuent en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire maintenant que c'est là. L'antidémocratie règne. On arrête les gens. On permet à ces villes de les payer de façon fondamentale. Il a aussi regretté le comportement que je considère négligent. Du PS français, de certains partis politiques, pour des raisons internes, qui sont acharnés pour dire Gbagbo doit partir. Gbagbo n'a pas perdu les élections. Il a gagné les élections. On l'a obligé à partir, c'est tout. Pourquoi n'a-t-on pas voulu le compter? Si on le comptait, à la fin de permet. Le RIN était instrumentalisé par les Français, a joué ce rôle.
Et je sais qu'il y a des pays africains qui n'étaient pas d'accord, mais qui n'osaient pas. Parce que grâce à vous, la France, et malheureusement, Obama, sur lesquels nous avons compté, naïvement d'ailleurs. Vous savez que, parlons de Obama, l'histoire retiendra. Et les premières victimes des armes manipulées par Obama, les premières victimes d'une guerre Obama, sont des victimes africaines. Qui sont ses parents, ses ancêtres. Donc, pour la première fois, il a fait retourner les armes de ses soldats contre des hommes et des soldats africains. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Avec à sa tête, à la tête, une dame qui est affaires étrangères, relations extérieures, bon, il sait tout ce qu'elle veut. Non, je crois que l'intérêt a joué là un rôle détestable. C'est un rôle qu'il joue aujourd'hui à Libye pour chasser Kadhafi. Cette logique les anime. Et je crois que la génération actuelle pourra en tirer le son. Alors Jacques, vous avez une autre question? Oui, voilà, justement, vous venez quand même de jeter un pavé dans la mer. Hein. Je n'ai pas certainement envie de remuer quand même le couteau dans la plaie, hein. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez affirmé d'ailleurs que M. Alassane Dramane Ouattara serait burkinabé ou bien il est burkinabé, alors qu'il dit qu'il est ivoirien, n'a jamais été burkinabé. Vous êtes burkinabé, vous dites qu'il est burkinabé. Sur quoi vous vous basez pour dire qu'il est burkinabé? Et vous dites qu'il était mon tuteur à Dakar. J'étais à la DCAO, j'étais étudiant, j'ai passé sur lui, je vois sa carte d'identité. Mais il pourrait se revendiquer le droit d'être ivoirien aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, la solution, c'est oui. Mais je n'ai pas de témoin pour dire qu'il est vandalique. Ça, oh, c'est clair. Donc, c'est déjà... Une année, on a envoyé quelqu'un pour faire des enquêtes. Et j'ai un oncle de Zorgo qui était là, qui a fui au Ouagadougou parce qu'il connaît à la femme. Et il m'a dit, c'est une petite Ouagadougou. Quand les enquêteurs de l'Union sont venus, je ne pouvais pas mentir. J'ai dit qu'il est vandalique. Mais on lui a demandé de quitter. Ouagadougou, il n'y a pas dit que c'est passé à Zorgo. C'est que les enquêteurs de Pâques, non, ça l'a fait connu. Hein. Connu. En fait, je ne suis pas contre le fait qu'il puisse dire qu'il est aussi ivoirien. Voilà. Je ne suis pas contre. Il n'est pas réparé dans la main. C'est une réalité connue, là. Il est parce que les gens ne sont pas. Allô? Permettez-moi de compléter. Allez-y, Non, permettez à l'autre de poser sa question, hein, parce que je suis, comme on le dit, un peu... bon, c'est-à-dire que je suis choc, comme on le dit, hein, avec... Oui, je suis un peu choc par rapport à... par rapport à la réponse de l'invité. Je vais permettre à une autre personne de poser la question avant de revenir certainement aux deux autres questions, s'il vous plaît, Monsieur Bamara. Allez-y. Allez-y, M. Bamara. Moi, j'allais... Oui, allez-y. Allô? Allez-y. Oui. Allez-y. Non, je vais seulement d'abord récupérer d'abord, avant de poser encore une autre question à notre invité. Hein. D'accord, voilà. On va récupérer. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Washington. J'allais aller un peu dans le sens de Jacques Roger. J'aimerais savoir si Alassane Ouattara est burkinabé de naissance ou il est burkinabé de nationalité. Quand je me rappelle aussi que Laurent Gbagbo a plusieurs fois voyagé avec un passeport burkinabé. Bien, je vois que la question est tranchée et j'ai maintenu ma position. Il est burkinabé parce que ses arrière-grands-pères sont les burkinabés. Ses arrière-grands-pères sont les burkinabés. Mais il est né en Côte d'Ivoire. Il peut se réclamer qu'il y voyait aussi. C'est pas si vous voulez. Nous avons des parents ici qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont devenus des Ivoiriens. Non, on ne peut pas se faire barrer. Nous avons des parents ici qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont devenus des Ivoiriens. Non, on ne peut pas se faire barrer la vie. Il doit se revendiquer. Il doit revendiquer la nationalité ivoirienne. Là, il peut. Mais vouloir dire qu'il n'a jamais dit non, c'est pas vrai. Donc en fait, il s'est revendiqué. C'est une question de passeport, une question d'être affecté, par exemple, à la DCAO au titre de la haute volta. C'est ça. Tout le monde là. En fait, monsieur, il peut être évalué. Laurent Folgoro a dit une fois à la division ivoirienne, quand vous faites affaire venir à la femme, c'était au moment de la crise. À la femme était réputée pour être un bon gestionnaire. Ils l'ont amené. Le TDCI, en français, réagit, et vous faites agir
aux gens de périphérie, à la fin de venir ici pour vous aider, c'est pas à la politique. J'ai demandé à la Mitana, mon ami la Mitana, s'il peut me céder leurs parents afin qu'ils viennent aider la Côte d'Ivoire de la situation. C'est connu là. Mais ce n'est pas pour autant, j'insiste. Il ne peut pas dire qu'il est ivoirien. Parce qu'il est né en Côte d'Ivoire. Donc, si je comprends bien, en fait, allez-y. Oui, je reprends, c'est-à-dire, si je comprends bien, en fait, il s'est prévalu une autre nationalité. Donc, si on veut voir la constitution ivoirienne, il n'est pas du tout éligible. Puisqu'il dit qu'il s'est prévalu une autre nationalité. Hein. C'est vous, il est burkinabé, mais il peut réclamer la nationalité ivoirienne. C'est un peu cela. Oui, il a choisi. Il a choisi. Voilà. Mm-hmm. Ok, d'accord. Pas choix. Je vois. Ok. Oui, excusez-moi de permettre de vous dire un petit mot et dire un petit mot, docteur. Je voudrais qu'il vienne encore une fois de confirmer ce que je disais depuis longtemps. Et des parents des Ivoiriens, certains Ivoiriens au Moron, contredit en disant qu'Alassane est venu au Burkina parce que son papa faisait du commerce des va-et-vient. Donc, comme il était intelligent, son papa l'aimait. Il a décidé de l'amener au Burkina pour l'inscrire à l'école primaire Bobo Dioulasso, ensuite le secondaire. Moi, je les ai dit, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire qui avait, après le Sénégal, l'une des écoles françaises, les toutes premières écoles françaises, parce que pourquoi, en 1984, date à laquelle Sankara avait divisé et décidé à ce qu'on revit dans la baisse, la scolarité, et surtout pour échapper au probatoire en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était une confirmation de ce que je disais, et je confirme cela, parce que nous avons eu une conférence de son excellence, Assomption Frédéric Guillemin, qui était le premier ambassadeur de World Volta aux États-Unis, ici d'ailleurs, qui était candidat à la présidentielle en même temps avec Ramon Ouedraogo en 1998, contre Blaise Compaoré à l'époque. Donc, suite à cette conférence, qui nous a fait cet aveu. Voilà. D'accord. L'autre question que j'avais vous poser, vous avez affirmé que le poste du Premier ministre était donc fictif. Est-ce que vous maintenez toujours cela? Poste de? Le poste du Premier ministre. C'était un poste qui était fictif. Oui, vous savez, en réalité, c'est un poste fictif, c'est vrai. Mais dans les conditions actuelles, là, le Premier ministre, là, en fait, il n'a pas de véritable pouvoir. C'est un commis mis à la tête de l'État, pas le chef de l'État. Il reste, c'est certain, à reconnaître cela et à essayer de réorganiser l'ensemble des pouvoirs pour le Premier ministre à l'Assemblée d'avoir un certain pouvoir. Parce que le pouvoir burkinabé est un pouvoir tout présidentialiste. Ça nous a posé problème. C'est quand nous avons écrit et confirmé dans les analyses, tous les partis politiques, y compris le CDP, en cette idée qu'il faut rééquilibrer le pouvoir entre les différentes institutions.